Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refilme cette vidéo parce que ça. J'ai mis des trucs sur mon clavier pendant que je filmais et bilan, ça a planté. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un livre de coloriage Disney chez Hachette Jeunesse. C'est Atelier de coloriage Teens et c'est le 40 Histoires d'amour. Je l'ai déjà entamé celui-ci. J'en ai fait un, clairement. Mais. Il faudrait que j'y retourne, mais le mien, il a un défaut. Donc je les prends à Leclerc, moi. Ils sont à 9,46 au lieu de 9,95. Voilà, si jamais. Je sais pas si vous avez regardé toutes les vidéos de présentation pour les ateliers Teens. Bref, je le dis dans toutes comme ça, si jamais. Mais oui, celui-ci a un petit défaut. Je l'ai pas regardé, je l'ai pas feuilleté quand je l'ai acheté, mais je sais pas si vous allez le voir. Forcément, la luminosité a changé, tu ne sais pas pourquoi. On a un défaut au niveau. Là, un défaut là. Il y a une pliure en fait. Et bilan, bah, j'ai la pliure de l'autre côté aussi. Et c'est bah, ça va être très problématique pour colorier. Et j'ai ça sur bah, plusieurs pages. Là, je ne l'ai pas. Là, je l'ai. J'en ai une grosse là. Poum, poum, poum. Une grosse rivière. Voilà, pour celles qui font du DP. J'ai une grosse rivière là. Je pense que vous la voyez. Voilà, vous la voyez bien. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment ça va. Voilà. Là, j'en ai une là. Mais je n'en ai pas. Donc, ceci a l'impression. Hein. Là, j'en ai une, là, une grosse là. C'est ce que j'ai fait la vidéo d'avant. J'ai dû pousser un truc et prendre ma gomme, essayer de gommer, mais ma gomme est toute jaune. Donc, du coup, ça m'a mis du jaune partout. Bref, voilà. Mais ouais, j'ai une grosse lumière là. Là, je la sens. Il est beau celui-ci collé. Là. Vous voyez. Hein. Là, je n'en ai pas. Donc ça va aussi. J'espère que c'est pas sur tout le bouquin. J'ai pas fait gaffe. Je vous avouerai. Mais voilà, j'en ai quelques-uns qui sont. Au pire, je verrai peut-être avec Fleurette pour qu'elle me. Qu'elle me les scanne, qu'elle me fasse. Que je puisse les réimprimer. Si vraiment c'est gênant. Ah, ben là j'en ai une du rivière. Petite rivière là. Ouais. Oli, celui-là on l'a. C'est pas dans la même. Dans l'histoire éternelle. Ouais. Ben, c'est des ateliers teens, on les a souvent ensemble, hein, alors que normalement on est plus censé les voir hein, ensemble. Cheval de rivière. Et je tripote mon livre. Et alors? Je l'ai acheté, j'ai le droit. Celle-là, je ne l'ai jamais vue nulle part. Oh, les mines, celle-ci. Dédicace à qui? Qui, si tu regardes cette vidéo, la cette fois, qu'est-ce que c'est les belles? Bon, derrière, c'est parce que je l'ai faite. Je l'avais faite pour le thème musique, je crois, de Gaël. On n'est plus là. Bon, ça m'en fait quand même quelques-uns où il y a des défauts, quoi. Mais non, j'ai pas. Mais franchement, j'ai pas le réflexe de feuilleter les bouquins. Je suis contente de le trouver, du coup, je le prends et voilà, basta, quoi. Il est dans le Summer Love, celui-là. Oh, il y a des belles scènes quand même. Hein. Franchement, il y a des belles scènes. C'est pour ça que je craque et que je les prends, hein, en fait. Hein, parce que voilà.
Je me dis, il n'y a rien derrière, tu peux vraiment te faire plaisir niveau matériel. Celui-ci, par contre, il a été un peu trop agrandi, je dirais. On dirait que ça fait pixelisé. Celui-ci, j'ai jamais vu. Donc voilà pour le 40 histoire d'Amur. Toujours cette petite ilu magnifique qu'on aimerait reproduire, mais voilà. Voilà, les ombres, les lumières. Les... Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous voulez qu'on se fasse un petit duo, ça serait avec plaisir. Je vous fais des bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dimanche. Ciao!